Eh bien, bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre Let's Play sur Pokémon Ultra Soleil. Dans le dernier épisode, on a fait la visite des K&K, fortement suivi de Tilly et Lily. Je commence à péter un peu à câble parce qu'il me colle au basque, c'est un truc de ouf. Je suis en train d'avancer tranquillement là dans la route 2. On a fait la rencontre de la Team Skull qui dit qu'ils vont foutre un peu en l'air l'épreuve d'Alteo. On verra ce qu'ils vont faire. Là, on s'y dirige tranquillou. Et avec un peu de chance, ça devrait bien se passer. Les Pokémon sont pas trop en mauvais état, donc on va continuer comme ça. Même si je ressens un peu le fait que ma team est bof bof et que j'aimerais d'autres Pokémon. Mais malheureusement, les autres Pokémon ne se présentent pas à moi, donc on fait avec. Mais j'aimerais bien choper d'autres Pokémon. Ce qui est bien avec le sort des mantas, c'est que c'est facile à apprendre. Même les débutants peuvent s'amuser à faire des figures. Le problème, c'est que ça laisse beaucoup de travail aux profs de surf. Ok, ok. Elle est pas là, les profs d'Alteo. Vous pouvez m'emmener ici. On va faire tout le petit tour. On a un point de vue sur la mer. Bon, est-ce que maintenant le Krabaga va me laisser passer? Oui. Mais ce dresseur ne me laissera pas passer par contre. Mon Cornèbre adore tout ce qui brille, vois-tu? Alors, Léonard, le gentleman. Du coup, si c'est Cornèbre, ça devrait bien se passer. Parce que Magnéti avec un petit éclair, je pense que ça fait des dégâts. Allez, éclair. Otaquin passe niveau 14 et il apprend à quoi jet et il va bientôt évoluer. À la place de regard touchant, on s'en fiche un peu. Ma foi, tu brilles de mille feux. C'est quoi ici? Le champ de baie. Alors comme ça tu fais le tour des îles avec ton Magnéti. C'est bien ça. Tiens, pour t'aider pendant ton périple. Une petite baie au rang. Et c'est Monsieur B. Je ne veux pas dire expert des baies. Parce que je sais que tu vas me raconter comment planter des baies. Je sais planter des baies, mais j'ai la flemme. Mais la flemme, t'imagines pas. Donc on va juste avancer. Si nos informations sont fiables, la grotte verdoyante est par là. C'est un endroit où s'est déversée la puissance du grand radieux. Rendons-nous sur place immédiatement pour inspecter les lieux. Le niveau d'aura a l'air de tout exploser. Un peu de calme. Le problème, nous ne disposons pas de Pokémon pour relever cette fameuse épreuve. Que faire? Notre technologie supérieure pourrait-elle nous permettre de contrôler l'un de ces petits êtres? Je pourrais toujours me faire passer pour quelqu'un qui fait le tour des îles. Ah bah non zut, j'ai pas leur amulette là. Ok. Conseil au dresseur, essayer de capturer le Pokémon d'un autre dresseur c'est du vol. Et le vol ce n'est pas bien. Sauf dans Pokémon Colosseum. Ah.
Ah non, je veux qu'il me fonce dessus. Ah non, pas lui là. Lui, c'est Pokémon pédophile, j'en veux pas. Et là, c'est quoi qui m'attaque? Encore un abo. Ah, c'est un. J'explore un peu, mais j'y crois pas. Bah voilà! Voilà un bon Pokémon! Ah, mais c'est une femelle. Je veux un mâle. Et il a intimidation, si ça c'est pas beau. Allez, charge. Ok, c'était un peu nul. J'ai envie de tenter un éclair, mais... j'ai peur. Ça passe. Allez, on lance une Pokéball. Et Kalinos est capturé. Les données du Kalinos sont ajoutées au Pokédex. Kalinos, le Pokémon chiot type feu. Il est très facile à apprivoiser, mais à l'état sauvage, il combat férocement les Rocabos pour le contrôle de son territoire. Écoutez, je vais l'ajouter dans le layout. Et hop, un nouveau Pokémon dans le layout. Je ne sais pas s'il restera jusqu'au bout, mais c'est déjà plus intéressant que tout ce qu'on a eu pour l'instant. Mais c'est déjà un Pokémon passable. Il y a un mec à affronter. Il a quoi déjà, mon Kalinos? Flamèche, morsure, hurlement, gros yeux. C'est pas mal du tout. Oh, et ça monte par là. Je peux choper une Pokéball. Et on va éviter le fermier parce que j'ai pas envie de me taper contre lui. Je veux rejoindre l'épreuve. Semble être ici. Et on a Tilly. Et Plopouli, comment vont tes Pokémon? Bof bof. Ah bah les miens sont un peu raplapla aussi. Allez, viens avec moi, on va aller faire soigner son Pokémon. Oh là, je connais la corde verdoyante, c'est lié à Tokoriko et personne n'a droit d'y entrer sauf pour passer l'épreuve. Ah mais au fait, j'ai un cadeau super cool rien que pour toi. Merci Tilly. Oui, 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 je m'en fous. Lâche-moi. Je ne veux pas le motisme à gogo, je veux m'en aller d'ici. Ah, pourquoi il brille?
Je gagne des Motis Mora. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas vraiment envie de savoir ce que c'est. Ça augmente mes stats, c'est très bien. Mais je m'en vais. On va parler aux gens. Parce que des fois, on se met de le dire. D'accord, Krabagar, blablabla. Krabagar. D'accord. Intéressant. Et eux? Les B. Piafabec contre un Brutalibré. Je n'ai pas de Piafabec. Donc non merci. On verra pour plus tard. Piafabec, eh ben écoutez, on va prendre Brutalibré. Allez, bombe aimant. Et là, je vais le capturer. Juste pour avoir un Brutalibré. Oh, il va pas commencer, de toute façon. Hein? Ah mais attendez, il a un surnom le Brutalibré. Ah je veux pas qu'il ait surnom. Non. Attendez, je peux en choper où sinon? Parce que... Ah ils sont rares. En route 3 zone 1 et route 3 zone 3. Je m'en fiche de toi, t'as un surnom et je veux pas te connaître surnom. Aussi passe niveau 13. Et là il y a Altéo. Kalinos il est un peu faiblard, donc on va peut-être le mettre en premier rang histoire de voir un peu ce qu'il vaut. Et qu'est-ce qu'il me veut lui? Salut petite tête. Le capitaine Altéo t'accueille en son domaine. Si tu as fait tout ce chemin pour mon épreuve, elle est juste ici. Dans la grotte verdoyante là-bas, au bout du chemin. Mais fais bien attention, les Pokémon de la grotte verdoyante sont assez coriaces. Je serai toi, je ferai le plein de potions avant de m'aventurer là-dedans. Et prends un peigne pour te recoiffer aussi. Apprendre à repousser ses limites pendant le tour des îles tout en sachant rester classe, c'est aussi ça l'esprit d'Alola. Une fois entré dans la grotte, tu ne pourras plus en ressortir avant de terminer l'épreuve. J'espère que tu es prêt. Ça devrait aller. Parfait. Allez, suis-moi petite tête. C'est parti pour l'épreuve. Oh, c'est stylé. Bienvenue dans la grotte verdoyante. Alors, prêt pour l'épreuve du majestueux capitaine Altéo, petite tête? Bon, laisse-moi te faire un topo. Ce qu'il faut que tu fasses... C'est battre 3 Pokémon qui sont tapis au fond de leur tanière.
Ensuite, tu fonces tout au fond de la grotte jusqu'à ce que tu vois un piédestal. Dessus, tu trouveras un cristal Z. Prends-le. Pour réussir, il va falloir que tu sois en symbiose totale avec tes Pokémon. Groire ! Comme j'étais à la bonne, je vais encore te donner une info. Ah, ma bonté me perdra. Il y a beaucoup de Pokémon redoutables dans cette grotte, mais le plus terrible du lot, c'est le Pokémon dominant. De toutes les preuves, c'est sûrement celui qui va t'en faire baver le plus. Alors, fais gaffe. Bon, et vraiment parce que c'est toi, je te donne une dernière info. Tu n'as pas le droit de capturer les Pokémon de la grotte, tant que tu n'as pas remporté l'épreuve. D'accord, petite tête ? Garde en tête que c'est l'une des 8 épreuves à réussir pour compléter ton tour des îles. Sur ce, que le spectacle commence. Début de l'épreuve. Alors, je peux pas récupérer cette qui est là. Je vais me taper contre le Mangloton. On pourra aussi entraîner un petit peu Caninos. Niveau 11 quand même. On va essayer de faire des petits trucs, mais je garantis pas un combat intéressant. Allez, morsure. Je suis déjà plus rapide et je tape assez fort. Ok. Troisième morsure. Il fait mal, mais ça va. Allez, encore deux à vaincre. Bon, bon, on bat le Pokémon dominant, il a tout mis en majuscule. J'avoue, on va le ban du chat. Hop là, je prends le petit objet. Avec des potions. Oh, ça va, le jeu est pas salaud quand même, il me donne des potions. Allez, on continue. Et lui, je crois que c'était pas un Mangloton qui était tapé dans la tanière. Donc, on va peut-être ne pas le combattre lui. Parce que de prendre trop de dégâts. Ok, je ne peux pas fuir. Bah écoute, morsure. Et on va switch. Sur Otaquin. Là-haut. Pas mal. On refait un pistolet à eau et il sera KO. Oh, sérieusement? Aqua Jet. C'est bon. Caninos passe niveau 9. Et plus qu'un Pokémon à vaincre. Et on avance. On va récupérer la petite Pokéball qui est là. Casse-brique. Oh, en vrai, ce serait pas mal à apprendre. Là, je pense qu'aucun Pokémon peut l'apprendre, mais... ça pourrait être pas mal pour plus tard. Ah si, 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 attendez. Coxy peut l'apprendre. Et ça, c'est beau. Vas-y, ce sera encore un Mangloton qu'on va affronter, donc on va mettre
le petit coxy qui va mettre des grosses patates. Ok, il faut que je fasse tout un petit tour. Oh, mais il y a un passage par là. Ok. Une super potion, encore une fois. Là. Un dernier mangouton. Non. Il est là. Viens là. Ah, il se fiche de moi. Amène-toi. Mais il fait exprès ou... Ouf, ouf. C'est la revanche de Rakaï des Mantes, de la plage des Mantas. Tu nous remets. Hein? T'es qui? Quoi, sérieux? Et si on échange nos places, tu nous remets? Toujours pas? Oh, peu importe. On n'est pas là pour lui faire rater l'épreuve. Enfin, si, on est là pour lui faire rater l'épreuve. J'ai mal lu. C'est clair. On va lui voler ses Pokémon vite fait, bien fait. Alors, qu'est-ce qu'il m'envoie le sbire? Soporifique. Ah bah, moi j'ai pas d'attaque type insecte. Mais c'est pas grave. Si je fais un météore bien casé, ça peut faire mal. Pas vraiment. Charge. C'est minable. On va mettre Kalinos. Déjà je l'intimide un petit peu, donc il fait pas beaucoup de dégâts. Et là, morsure. Deuxième morsure. Oh, je suis tellement nul, je comprends pas comment ils m'ont laissé entrer dans la Team Skull. Oh, j'hallucine. C'est quoi ce délire? Comment un gamin peut être aussi balèze? Oh, laisse tomber ce gamin, c'est un ouf dans sa tête. Oh, ce gamin encore, c'est rien. Il y a un truc bien se faupir dans la zone de l'épreuve. Ouais, t'as raison, mon pote. Tu vois ces petits Pokémon dans le coin? Oh non, c'est... Ah, c'est parce qu'ils flippent tous de se faire manger par lui. cousin, il y a vraiment un truc pas cool là-bas. T'es sûr que tu veux pas faire comme nous et te carapater du Surapidos? Vas-y mon pote, changement de plan, c'est notre revanche, on va pas partir comme ça. Va te poser à l'entrée d'un terrier de mon glouton et essaie d'en attraper un. T'es sérieux là? Bah ok, t'aimes Skull en force. Bah vas-y hein, on va le choper. La priori avec les deux, je devrais être tranquille. Allez. Oust. Ok, un Argouste, casse-brique.
c'est quand même des bons petits dégâts. Allez, maintenant météore. Et là, on fait un dernier casse-brique. Et s'il passe, normalement, il est KO. Non! Je me suis fail. Bon, c'est pas grave, mais. C'est un petit peu relou. Allez, Coxy passe niveau 14. Et Otakin passe niveau 15. Kaninos niveau 10. Ça c'est nul. Et j'ai vaincu tous les Pokémon. Du coup je peux remonter là. Peut-être me soigner avant. Coxy évolue bientôt. Ah. Écoute, on va voir. Hein. Salut, je suis un assistant de l'épreuve. Je suis juste là pour donner un coup de main aux gars et aux filles qui tentent le tour des îles. Et bravo, tu as vaincu les trois Pokémon. Donc, tu peux aller au fond de la grotte. Allez, on y va. Je sauvegarde, évidemment. Et on peut récupérer le petit cristal Z. Et là, il y a des murs. Je pense que je pourrais les péter plus tard. Vous sentez une présence comme un regard qui pèse sur vous. Voulez-vous prendre le cristal Z qui se trouve sur le piédestal? Oui. Le Pokémon dominant de la grotte verdoyante. J'ai pas vu. Mais l'Argousse dominant, il veut se battre. Il dégage une aura qui augmente sa puissance. Déjà, je l'intimide. Il est que niveau 12, donc ça va. Et je vais commencer avec... une flamèche. C'est pas mal. Et l'appel du renfort. Manglouton apparaît, ok. Alors, je fais un morsure sur Manglouton. Il fait un peu mal. Hein. Je suis juste de Pokémon et on va prendre Otakin pour faire une attaque un peu générale. Coxy aussi peut le faire. Magnéti, il a pas trop de trucs. Vas-y, charge-moi, c'est pas grave. Et là, vengeuse. Aqua Jet. Ok. Là, je suis KO, je pense. Ouais, malheureusement, je peux au taquin, mais c'est pas grave. Là, je mets Coxy. Et on va caler un casse-brique. Ça doit faire des bons petits dégâts. Pas ouf, mais bon, c'est mieux que rien.
Avec casse-brique encore une fois. Et c'est quand même assez résistant, mais ça se gère. Je vais réanimer au taquin, histoire qu'il prenne un petit peu d'XP. C'est pas grave. Et là, on va jouer Kalinos ou Magnéti. Allez, Magnéti. Et je fais un éclair sur Agoust. Attention, les dominants ont des énormes boosts et sont deux que quelqu'un va l'aider si la triche. Essaye d'éliminer d'abord le dominant car il peut rappeler le manque glouton. Ça peut être une bonne méthode pour farmer l'XP, ça, non? Bon, Magnéti passe niveau 14. Kalinos passe niveau 11. Et au taquin. Il ne passe pas de niveau. Ouais, au taquin, mais en fait, j'étais pas sûr si j'étais assez rapide, donc j'ai pas voulu tenter. Allez, on va dire un autre appel pour réanimer Coxy. Et on va terminer le Mangouton. C'est aussi une bonne méthode pour pas facilement. Oh non, en fait tu laisses un PV comme je l'ai fait au tout début là. Et tu farmes, et après dès que t'as fini, tu fais une voix enjôleuse et hop, c'est fini, hein. Mais bon. J'ai battu à Ghost Dominant. La Ghost Dominant est allé se cacher au fond de la grotte. Bravo petite tête, tu t'en es vraiment bien tiré. Franchement, je suis admiratif. Tu as réussi à vaincre le Pokémon dominant alors que je l'avais spécialement entraîné pour l'épreuve. C'est ébouriffant. En unissant tes forces à celles de tes Pokémon, vous avez remporté cette épreuve haut la main. Enfin, haut la patte. Enfin, tu as compris. Encore bravo, Willy. Phil, prends ce cristal Z sur le piédestal. Épreuve réussie. Et j'obtiens une Normazélite. Ce que tu viens de récupérer, c'est un cristal Z de type normal. On l'appelle aussi Normazélite. Tu devrais la donner à un Pokémon qui connaît une capacité de type normal. Ensuite, tu n'as plus qu'à reproduire cette pose pleine de grâce et bam! Tu déchaînes la force Z avec tes capacités de type normal renforcées. C'est pas tout ça, mais j'ai un rendez-vous chez mon coiffeur, Salamèche. On bouge? Ah, et attends. Avant mon brushing, je vais te révéler un secret, parce que je suis sympa. C'est au sujet du Pokémon dominant. Dans chaque zone gérée par un capitaine, tu vas croiser un Pokémon dominant, comme l'Argos de tout à l'heure. Bien plus costaud que les autres. Et à Alola, les Pokémon dominants peuvent appeler du renfort en plein combat. Maintenant que tu as vaincu le Pokémon dominant, tu peux capturer tous les Pokémon de la grotte, ça te chante. Tiens, comme je suis bon prince, voilà un cadeau. Et amuse-toi bien, petite tête. Et bravo tes Pokémon, hein. C'est grâce à eux aussi. Soigne-les bien. Bon, tu sais quoi? Comme j'étais vraiment à la bonne, retrouve-moi à la sortie de la grotte, et j'ai un truc à te montrer. Eh bien, on va faire ça, et après on se laissera là pour cet épisode. Ça m'intrigue le truc là-haut quand même.
Waouh, un cristal Z. Voici donc ce qu'on appelle un cristal Z. À Alola, les habitants relèvent donc des épreuves pour recevoir l'un des artefacts. Là où nous utiliserons nos technologies les plus avancées, ils se battent à la force du poignet. C'est tellement singulier. Je suis assez admiratif. Salut, moi c'est Zoé. Si j'ai bien suivi, c'est maintenant qu'il s'agit d'échanger les salutations traditionnelles. Alola à toi donc. Je me nomme Rodi. Nous, on est l'Ultra Commando. Je suis ultra fan du concept de Pokéball. Faut absolument qu'on essaye de copier ça. Mais bon, là on doit partir. On a une enquête à mener sur les auras des cristaux Z. Allez, à bientôt. Ok. Oula. Ouais, bon, mon glouton, hein. Et merci pour ton GG, Eliataz. Allez. Oh. Non, pas de topiqueur, ça ne m'intéresse pas. Oh mais arrêtez de raconter votre vie, je m'en fous. Les Pokémon relous. Bon bah écoutez, on va faire un petit coup d'XP hein. Allez, ça dégage. Et toi aussi, tu dégages. Otakin passe niveau 16. Et il va prendre vent glace. Oui. En vrai. À base de crasse face, hein, honnêtement. Il apprend des trucs intéressants. Hein. Type glace, type feu, type eau. Pas mal du tout hein, pour un Pokémon niveau 16. Ah, d'après défense. Je rate l'épisode maintenant, sinon ils vont trop parler. Message bien reçu, Défense. Je vais t'écouter. Et on va se laisser là pour cet épisode qui était quand même assez long. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous allons parler pendant 50 ans pour voir un peu ce que nouvelle Alteo, ce qu'il veut nous montrer. Et probablement Tilly, Lily, Euphorb, Pectorius, Tauros qui veut que je casse encore les queues. Tout ce beau monde, je pense, la Team Skull, l'Ultra Commando, ça commence à faire beaucoup de gens qui me parlent. C'est un peu agaçant, je l'avoue. Mais bon, on verra la suite de l'histoire dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à très bientôt.